Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire l'exercice suivant. Soit est-ce l'ensemble des m de coordonnées x, y, z, tels que x carré plus y carré plus z carré moins 4y plus 2z plus 2 est égal à 0. Première question, montrer que S est une sphère de centre oméga de coordonnées 0, 2, moins 1 et de rayon R est égal à racine carrée de 3. Deuxième question, vérifier que le point A de coordonnées moins 1, 1, 0 appartient à S, c'est-à-dire appartient à l'ensemble S ou bien sphère de centre oméga et de rayon R. Écrire une équation cartésienne du plan P tangente à la sphère S au point A. Troisième question, vérifier que l'ensemble Q d'équation cartésienne x plus y plus z moins 2 est égal à 0. Si l'équation cartésienne du plan. Troisième question, vérifier que l'équation x plus y plus z moins 2 est égal à 0. Si l'équation cartésienne du plan P qui passe par le point P de coordonnées 1, 3, moins 2 et de vecteur normal n de coordonnées 1, 1, 1. Quatrième question, montrer que l'intersection de la sphère S et le plan Q est un cercle dont on précisera le centre I et le rayon. Première question, soit S l'ensemble des m de coordonnées x, y, z qui vérifie x carré plus y carré plus z carré moins 4y plus 2z plus 2 est égal à 0. Donc, on a x carré, donc l'ensemble S équivalent que x carré plus y carré plus z carré moins 4y plus 2z plus 2 est égal à 0, ce qui est équivalent que x carré plus y carré moins 4y plus z carré plus 2z plus 2 est égal à 0. Alors, on va écrire la forme canonique de y carré moins 4y et la forme canonique de z carré plus 2z. Donc, on a ce qui est équivalent que x carré plus y carré moins 4, c'est 2 fois 2 fois y. Donc, ajoutons plus 2 au carré et éliminer 2 au carré. Donc plus z au carré plus 2z, c'est 2 fois 1 fois z. Donc ajoutons 1 au carré et éliminer 1 au carré. Plus 2 est égal à 0. Donc, ce qui est équivalent, donc x carré, c'est x moins 0, le tout au carré, plus. Donc, y carré moins 2 fois 2 fois y plus 2 au carré, identité remarquable. Donc, c'est y moins 2, le tout au carré. Donc, elle reste moins 4. 2 moins 2 au carré, c'est moins 4. Plus. Donc, z carré plus 2 fois 1 fois z plus 1 au carré, identité remarquable. Donc, si z plus 1 le tout au carré, donc z plus 1 le tout au carré, elle reste moins 1 plus 2 est égal à 0. Ce qui est équivalent que x moins 0 le tout au carré plus y moins 2 le tout au carré plus z plus 1, c'est moins 1 le tout au carré. Donc, moins 4. Moins 1, ça fait moins 5, plus 2, ça fait moins 3. Donc, moins 3 est égal à 0. Ce qui est équivalent que x moins 0 au carré, plus y moins 2 au carré plus z moins 1
plus 2 au carré est égal donc 3c racine 3 au carré. Alors, deuxième question, vérifier que A de coordonnées moins 1, 1, 0 appartient à l'ensemble S. Donc, on a l'ensemble S équivalent. L'ensemble S équivalent que x carré plus y carré plus z carré moins 4y plus 2z plus 2 est égal à 0. Alors, si j'ai remplacé x et y et z par les coordonnées de A et je trouve que les coordonnées de A vérifient l'équation, alors A appartient à l'ensemble S. Alors, pour x, y, z est égal à moins 1, 1, 0, c'est-à-dire je remplace par les coordonnées de A dans l'équation. Donc, on a moins 1 au carré plus y 1 au carré plus z 0 au carré moins 4 fois 1 plus 2 fois 0 plus 2 est égal. Donc ce qui est égal, donc moins 1 au carré est égal à 1, 1 au carré est égal à 1, 0 moins 4 plus 0 plus 2. Donc 2 moins 4 plus 2 est égal, donc 2 moins 4 est égal à 0, ce qui est égal à 0. Donc les coordonnées de A vérifient l'équation de l'ensemble S. Alors A appartient à l'ensemble S. Maintenant l'équation cartésienne des plans P tangente à la sphère S au point A. Alors, soit M de coordonnées X, Y, Z appartient à l'espace O ou bien une point. Soit M une point de l'espace. Alors M appartient à l'ensemble P, ce qui est équivalent que oméga A produit scalaire le vecteur AM est égal à 0. Alors oméga A le coordonnée, donc c'est XA moins X oméga YA moins Y oméga ZA moins Z oméga. D'autre part, le vecteur AM est égal de coordonnées XM moins XA Y M moins Y A et ZM moins ZA. Donc, d'après les données, on a oméga A et de coordonnées moins 1, moins 1. D'après le calcul et le vecteur AM. Donc XM c'est X et XA déjà donné, donc c'est moins 1 avec le moins c'est plus 1. Et YM c'est Y et YA c'est 1, donc c'est moins 1. ZM c'est Z et ZA est égal à 0, donc moins 0. Elle reste Z. Donc voilà les deux vecteurs. Donc le produit scalaire de oméga A produit scalaire le vecteur AM. Donc c'est moins 1 fois x plus 1. Donc c'est moins 1 fois x plus 1, c'est moins x moins 1, plus moins 1 fois y moins 1, donc c'est moins y plus 1, plus 1 fois z, ça fait z. Donc ce qui est égal x plus y moins z est égal à 0. N'oubliez pas que ce est égal à 0, ce qui est équivalent. Troisième question, montrer que l'équation cartésienne x plus y plus z moins 2 est égal à 0 du plan Q qui passe par le point P. Si l'équation cartésienne du plan Q qui passe par le point P de coordonnées 1, 3, moins 2 et de vecteur normal 1 de coordonnées 1, 1,
on va faire ensemble. Alors, l'équation cartésienne d'un plan d'une manière générale s'écrit sous la forme. Donc, troisième question, l'équation cartésienne du plan Q s'écrit sous la forme AX plus PY plus 6Z plus D est égal à 0. Avec A et P et C, ce sont les coordonnées de vecteur normal de ce plan. Donc, on a N de coordonnées 1, 1, 1 est un vecteur normal à Q, d'où on obtient, donc on va remplacer 1 A par 1, donc 1 fois X ça fait X, plus 1 fois Y, on va remplacer P par 1, donc 1 fois Y ça fait Y, et on va remplacer C par 1. Il reste Z plus D est égal à 0. Très bien. Donc pour trouver D, on va remplacer X, Y et Z par les coordonnées d'un point qui appartient au plan Q. Puisque Q passe par le point P, de coordonnées 1, 3, moins 2. Donc, on va remplacer x par 1. Donc, puisque P appartient à l'ensemble Q, ce qui est équivalent, on va remplacer x par xP, c'est-à-dire 1, et y par yP, c'est-à-dire 3, plus on va remplacer z par zP, c'est-à-dire moins 2. Donc, moins 2 plus d est égal à 0. 1 plus 3, ça fait 4. 4 moins 2, ça fait 2. Donc, D est égal à moins 2. Alors, l'équation du plan Q s'écrit sous la forme X plus Y plus Z moins 2 est égal à 0. Quatrième question, calculer la distance entre le point oméga et le plan Q. Donc, la propriété, considérons un point A de coordonnées XA et YA et ZA, est un plan et un plan P d'équation cartésienne AX plus PY plus 6Z plus D est égal à 0. La distance du point A au plan P s'écrit sous la forme. Alors, donc, la formule, la distance entre le point A et le plan P est égale, si la valeur absolue de A, XA, plus P, YA, plus C, ZA, plus D, le tout sur racine A carré, plus P carré, plus C carré, avec l'équation du plan P, s'écrit sous la forme générale AX plus PY plus 6Z plus D est égal à 0. Et le point A de coordonnées XA, YA et ZA. Donc, la distance entre le point oméga et le plan Q est égale. Donc, n'oubliez pas que Q, l'équation cartésienne du plan Q, s'écrit sous la forme X plus Y plus Z moins 2 est égal à 0. Alors, on a X c'est 1 fois X, et Y c'est 1 fois Y, et Z c'est 1 fois Z. Donc, A est égal à 1, et P est égal à 1, et C est égal à 1.
Donc la distance et le point oméga de coordonnées. Le point oméga de coordonnées 0, 2, moins 1. Donc la distance entre le point oméga et le plan Q est égale à la valeur absolue de A fois XA, c'est-à-dire 1 fois X de oméga 0, donc 1 fois 0, plus pi fois Y, donc c'est 1 fois 2, plus 1 fois 2, plus 6 fois ZA, donc 1 fois moins 1, c'est-à-dire Z oméga, donc plus 1 fois moins 1, moins 2, la valeur absolue, sur racine 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré. Donc ce qui est égal, donc 0, 2, moins 1, 2 et moins 2 d'un nombre opposé. Donc elle reste moins 1, la valeur absolue de moins 1 est égale à 1. Sur racine 3, est égale racine 3 sur 3. Donc on a la distance entre oméga UQ inférieure à R, le rayon de la sphère S. Donc le plan Q coupe la sphère S suivant un cercle de centre H. Le projeté de oméga sur Q et de rayon TR est égal racine R au carré moins T au carré d'après la formule. Alors, d'autre part, on a R au carré est égal à oméga H au carré plus R au carré. Donc, TR est égal à racine R au carré moins oméga H au carré. N'oublie pas que R est strictement positif car c'est une distance. Est égal racine 3 moins 1 sur 3 est égal racine 8 sur 3. N'oublie pas que oméga H au carré est égal 1 sur 9 plus 1 sur 9 plus 1 sur 9 égale à 1 sur 3. Et merci.